Permets-moi de te donner des leçons de conduite sportive. Voyons, tu crois que c'est facile d'une main? Aïe, oh, j'ai les reins en compote. Troisième jour de l'expédition. Spirou et moi-même, nous nous apprêtons à mettre en place le dernier capteur climatique inventé par le professeur Champignac pour tenter de répondre à de nombreuses questions. Le climat change-t-il vraiment? Et pourquoi? Sommes-nous en danger? La planète Terre est-elle en train de réagir à la pollution atmosphérique? Mais rien de cassé? Non, à part mon amour propre qui vient d'en prendre un sale coup. Mais pourquoi on n'est pas allé poser des capteurs sur une plage ensoleillée des tropiques? Il n'y a pas de dérèglement climatique à Hawaï? Si, justement. Partout sur la planète, même le simulateur climatique global japonais n'arrive pas à analyser ce qui se passe. Avec ce nouveau capteur, on pourra peut-être comprendre. Hé, tu me donnes un coup de main, Fantasio, ça va te réchauffer? J'y arrive. Allez, un... Et voilà le travail. À moi, le soleil des tropiques. En parlant de soleil, tu ne trouves pas que ça se réchauffe? Oui, t'as raison, c'est sympa. Finalement, le pôle Nord, avec cette chaleur, mon âme d'aventurier se réveille. Mon grand aïeul, Hippolyte de Fantasio, des fois, je t'appelle. Était d'ailleurs... Fantasio, dis-toi. Oh, je t'ai déjà raconté. Vite, au motoneige. Oh, on est mal, papa doit rentrer à pied. Oui, ou à la nage. Par ici, Spip. Spip. La caméra. Laisse tomber, c'est trop risqué. Pas de question, elle tourne toujours. Et ça, c'est du reportage. À moi, le prix Pulitzer. Plus vite. Échappé belle. Ah oui, tu as raison, on a eu chaud. C'est toi qui as eu chaud, si tu voyais le coup de soleil que tu as attrapé. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Les poissons n'ont pas survécu à un changement de température aussi brutal. Imagine que ça se produise dans une zone habitée. Ce serait catastrophique. L'humanité entière est en danger. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut absolument découvrir la raison de cette cata. Alors qu'il a plu au Sahara et qu'un cyclone tropical a dévasté la petite ville de Sbringsbourg en Suisse, les dérèglements climatiques ne cessent de se multiplier. L'ensemble des météorologues restent sur l'explication de ce phénomène qui affecte la totalité de la planète. Quand je pense que c'est cette peste de sécotine qui présente mon reportage à ma place. Avant de regarder notre reportage exclusif au pôle Nord, pas trop tôt, retrouvons notre correspondant à Yokohama. Ishiro, est-ce que le simulateur climatique global peut enfin nous apporter un début de réponse? Ces phénomènes sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Professeur, qu'est-ce qui pourrait expliquer? Voilà! J'ai trouvé! C'est la dégradation de la couche d'ozone? Pas du tout! C'est le premier antidote contre le rhume et les coups de soleil. Spirou, Champignac, ça commence! Quoi? Mon reportage, ces cotines le sabotent par jalousie, j'en suis sûr! Je ne pense pas, regarde. C'est la même chose sur toutes les chaînes. Mais alors... J'ai pas le moral. Buvez ça! Vous vous sentirez mieux après. À quoi bon? Mon prix Pulitzer perdu. Ma carrière fichue, mes illusions envolées. Juste une gorgée, je vous assure. Bon, après tout, j'ai plus rien à perdre.
Chers téléspectateurs, ce message diffusé dans le monde entier et traduit dans toutes les langues va changer votre vie. Oui, on va bien sûr changer votre vie. Oui, qui peut croire une pipe comme celle-là? J'ai bien peur que vous ne deviez y croire. Fini les inondations, fini les tornades, fini la sécheresse. Dans très exactement 24 heures, mon génial climatogène sera réactivé et je contrôlerai le climat de toute la planète au dixième de degré Celsius, à la goutte d'eau. Un climat tempéré, sain, partout dans le monde. Grâce à Zorglub, votre vie ne sera plus à la merci des éléments. Vous allez être les témoins de l'avènement d'une nouvelle ère. À vous tous, je dis. Bienvenue aux Zorglubocères. Vive Zorglub ! Et vive Zorglub ! Et vive Ultro ! Vive Zorglub ! Pirate indépendante de notre volonté. Qui est ce Zorglub? Comment a-t-il réussi à court-circuiter les ondes hertziennes du monde entier? Est-il réellement capable de contrôler le climat de la planète? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? La réponse dans notre prochaine édition. Toujours à la pointe de l'info, c'était Sécotine. Et mon reportage? Tu parles d'une amie? Elle laisse ce mythomane me voler la vedette. Non, ça n'a pas l'air d'une plaisanterie. Il faut absolument qu'on découvre qui est Zorglub. Mon meilleur élève. Mais il a disparu il y a presque 20 ans. Vous ne le pensez tout de même pas capable de contrôler le climat de la planète? Mais ce guignol frimeur, bienvenue au Zorglub, aux reines, n'importe quoi. Il faut le prendre très au sérieux. Les anomalies climatiques correspondent aux tests de réglage de son climatogène. Zorglub est tout sauf un menteur. S'il dit qu'il va le faire, c'est qu'il peut le faire. Créer un climat tempéré sur toute la planète. Oui, mais le climat ne se règle pas avec une machine. Il ne suffit pas de tourner les boutons. C'est plus compliqué et particulièrement dangereux. Oh, bah la nature ne va pas s'en remettre. On a vu le résultat sur la banquise. Il faut l'en empêcher, c'est trop risqué. Fantasio, t'as enregistré l'émission? Bah oui, évidemment. Voilà. Spip. Spip. Bienvenue aux Zorglubocères. Oh, pitié. Je ne le supporte plus, ça doit faire un million de fois qu'on se le repasse. Il n'y a rien, aucun indice. C'est notre seule piste, Fantasio. On va le regarder encore une fois. Ah, mais coupez le son au moins cette fois. Fini les tornades. Impossible de localiser l'émetteur. Là, regardez, professeur, à l'arrière-plan. Ah, c'est quoi? Une girafe Zorglubée dans un zoo? Oh, elle est mignonne, la girafe, mais on n'est pas plus avancé. Sabre de bois, ses reflets. Ces spores, des idiotus champignus hawaïus. Je croyais l'espèce disparue depuis qu'Hector Léverdière en a ramené de Potiki en 1883. Incroyable, non? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Professeur. Prenez votre maillot de bain. Mademoiselle, connaissez-vous cette jeune fille? Non, vraiment, désolée. Et toi, ça ne te dit rien? Non, mais j'aimerais bien la rencontrer, elle a l'air sympa. Oui, non... Non. Alors? Rien. Et toi? Non plus, cette île n'est pourtant pas aussi grande. Spirou! Fantasio! Vous devez absolument goûter ces glaces, leurs parfums sont incroyablement exotiques. Il y en a même une pour toi, Spi, spéciale noix de cajou. Oh, vous avez raison, autant se faire plaisir. Aucune chance de retrouver cette fille aujourd'hui. Hé, hey, attention! Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Non, mais non, mais vous n'avez pas les yeux en face des... c'est la fille! C'est elle! Mademoiselle, attendez! Hé, hey, monsieur, vous n'avez pas fini d'ennuyer notre amie? Mademoiselle! Qu'est-ce que vous lui voulez, Azaoki? Azaoki? Oh, voilà, skateboard volant! Complètement barré, ce type. Oh, c'est bon, Spirou, j'arrive!
mon amour-propre vient d'en prendre un nouveau coup. Attends, je ne te fais aucun mal. Regarde, je n'approche pas, je veux simplement discuter. D'accord? T'es une sacrée sportive, tu sais. T'as failli me semer. Bravo. Stop! Rends-toi! Tu es cerné, tu n'as aucune chance. Non, attends! Bravo, quel sens de la diplomatie. Hey, tu ne vas quand même pas. Fantasio, il faut te jeter à l'eau. Ok, allez, on y va. Un, deux, deux et demi, deux, trois, quatre... Fantasio, grimpez, on va faire le tour. Allez, plus vite. Vous êtes sûr? À droite, non, à gauche, mais moins vite. Prenez une grande passion, c'est très relaxant. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment. C'est beau, l'amour. Arrête-toi! Écoute! Plus vite, professeur! Vous ne savez pas ce que vous voulez, mon jeune ami! Chargez les champignons, on va la voir! Elle a une complice! Tiens-la bien, Spirou! On s'occupe de l'eau! Monsieur le comte. C'est Cotine, mais j'y crois pas. Et tu portes bien ton nom, hein? Quel pot de colle. Tu peux me dire ce que tu fais ici? À cause de toi, elle nous a échappé. Qui c'était? Mais comment ça, qui c'était? Tu sais pas qui c'est? Non. Mais alors pourquoi as-tu voulu l'arrêter? Vous la poursuiviez, donc elle est intéressante. Alors, c'était qui? Et en fait, on n'est pas très sûr, hein? Elle s'appelle Zaoki, et puis... C'est probablement la complice de Zorglub. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sa volonté farouche de nous échapper. Mais on ne l'a pas complètement perdue. Mais qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Qu'est-ce que tu crois? Je suis une pro. J'ai mené ma propre enquête sur ce Zorglub. Bon, tu peux venir avec nous, mais tu restes bien derrière. Et tu fais ce qu'on dit. Je te laisse le scoop du siècle. Mais c'est exactement cela. C'est cela, oui. Dis donc, les deux grands reporters, si on veut avoir une chance de la surprendre, il faudrait peut-être faire un peu moins de bruit, d'accord? Les traces s'arrêtent ici. Elle doit être cachée dans cette cabane. Oui, bon, bah alors enfonce. Et du calme. Il ne faut pas qu'elle puisse s'échapper et prévenir Zorglub de notre arrivée. Tu passes par derrière avec Spip, et okay, moi... Ok, tu passes... Bon, eh ben nous, on passe par devant. L'île de Kotiki. Elle est apparue suite à une grande éruption sous-marine en 1876, alors qu'un navire anglais transportant une expédition scientifique... Hein? Mais les amis, mais où êtes-vous? Spirou? Fantasio? Ok, Spip, tu suis en silence et tu observes. Tu laisses faire le maître de l'investigation. C'est là qu'intervient mon multi-usage Winkler et Ferber. Sérilibiti. Alors regarde et apprends, jeune padawan. Oui, je sais, aucune serrure ne me résiste. Impressionnant, hein, Spip? La supériorité de l'homme sur l'animal, c'est l'outil. En hurlant comme un sauvage, c'est pas scandaleux. Ouais, plus besoin d'être discret, y a personne ici. Et tu peux peut-être te relever, là je pourrais croire que tu aimes me coller par plaisir. Tout le plaisir est pour toi. Ah, nous sommes bien chez Zorglub, regardez. Des photos de famille, c'est un anniversaire?
Mais alors, cette Zaoki, c'est la fille de Zorku? Oui. Il a dû leur arriver un grand malheur. Il y a un papier coincé ici. L'article dit que la femme de Zorglub a disparu en mer le jour des 10 ans de Zaoki, un cyclone tropical. Pas étonnant qu'il n'ait plus envie de faire la fête. Bon, bah, on en connaît un petit peu plus sur la vie familiale de ce mégalomaniaque. Mais on n'est pas plus avancé. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait, hein, mademoiselle la reine du scoop? On cherche un passage secret comme dans les mauvais romans d'aventure. Zaoki, s'il te plaît, attends. Il faut absolument qu'on rencontre ton père. Non, vous lui voulez du mal, alors qu'il ne veut que créer un monde meilleur. Je t'assure, on veut juste lui parler. Il m'écoutera, moi. Mais je vous connais, vous, vous êtes le professeur Champignac. Mon père me parle tout le temps de vous. Oui, on se connaissait très bien, tu sais. Un surdoué assoiffé de connaissances, un garçon sensible, un peu trop farfelu. Bon, d'accord, je crois que mon père aussi sera content de vous revoir. J'espère. Ça nous mène droit vers le volcan de Kotiki. Oui, c'est une faille sous-marine. Papa l'a recouverte et consolidée pour en faire un tunnel. Extraordinaire. Bof. Attendez de voir la Zorgbase, ça c'est le top. La Zorgbase. Vous trouvez pas qu'il commence à faire très chaud? Des grandeurs. Mais là, il s'est surpassé. Je croyais que le volcan était éteint. Pas éteint, endormi. C'est une source d'énergie fantastique quand on sait l'utiliser. Elle peut servir à tout, oui, et à n'importe quoi, comme changer le climat, par exemple. Souriez, monsieur. Vous êtes filmé. C'est un robot, c'est ça? Non, oh, il a des copains. Intrus niveau .3. Zaoki. Ça va, pas de panique, ce ne sont pas des intrus, ils sont avec moi. C'est bon, suivez-moi. Dans cette tête, ça me rappelle quelqu'un. Vous croyez? Hé, arrêtez! Programme d'interception engagé. Oh, ce que vous êtes lourds, les angloïdes! Ne bougez pas, je vais arranger ça. Papa! C'est OK! Papa! Papa, arrêtez, s'abruti le robot! Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on ne fait pas le poids. Oh. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas l'intention de me laisser capturer par une bande de vulgaires boîtes de conserve sur pattes. Oh, bravo, Spirou, alors là, je te reconnais. Allez. Bien sûr, bien sûr! Il me faudrait un outil, un ustensile quelconque! Journaliste, moi, je témoigne, je n'interviens pas. Ils sont indestructibles. Ça, c'est ce qu'on va voir. Vous n'avez pas
le droit. Je suis une journaliste. Balipat, espèce de monstre. Assassin. Nous rendions. Vu la situation, je pense qu'on n'a pas le choix.